Dieu te voya là-bas. Go! Le puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Même si elles sont deux, je vais préciser. Parce que je suis prophète. Ah, l'œil du voyant. Reste comme ça. Reste comme ça. Alléluia. Éloignez-vous. Ça va? Tu vas bien? Alléluia. How are you? Je vais prier pour toi. I pray for you. Tu veux que je prie pour toi? Alléluia. You want me to pray for you? Si je ne prie pas pour elle, if I don't pray for her, il y a un grand problème qui a sur les côtés. Il y a un gros problème qui a sur les côtés. El Capo. Lève simplement tes mains. Lève simplement les mains. Alléluia. Lève simplement les mains. Lève simplement les mains. Lève simplement les mains là où tu es. Maman, spirituellement, spiritually, il y a quelqu'un qui a fait pipi sur toi. Somebody urinated over you. Si tu veux, il faut prendre 1000 comprimés. Even 1000 tablets. Ça va partir. Alléluia. Ça va revenir. Et on va. Mais il va commander. I'll command. Parce que la prière, il va adresser à Dieu. The prayer, woman. C'est un retour à l'envoyeur. Back to the sender. C'est un retour à l'envoyeur. Back to the sender. Donc, faut être prêt. Be ready. Alléluia. Parce que quand je vais enlever ici, when I remove it here, il va prendre quelqu'un qui est proche. You take somebody who is near, closer. Enfant sonore, quand il est glorieux, enfant sonore. Mets-toi derrière elle, je vais prier pour elle. Je commande. Alléluia. Il y a une présence qui descend. Au nom puissant de Jésus. Il me dit, il te ressuscite d'entre les morts. Au nom de Jésus. Aide-la. Fire. Fire. Réponse, Shata Kataba. Go. Fire. Fire. Je commande. Fire! Fire! Libé! Au nom de Jésus. Bah. C'est qui, Monsieur Morel? Oui, Mr. Morel. Monsieur Morel, c'est qui? Morel. C'est ton mari. Il est où? Alléluia. 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 Vous êtes séparés. Alléluia. Chante fire, fire. Je commande. Au nom de Jésus. J'allume la mauvaise sémence maintenant. Alléluia. En tant qu'autorité. Au nom de Jésus. Je commande maintenant. Au nom de Jésus. Le feu. Fire. 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 Le feu. Tu ne mourras point, tu vivras. Tu ne mourras point, tu vivras. Tu ne mourras point, tu vivras. Par le nom puissant de Jésus. Relève-la. Maman, viens, je vais prier pour toi. Come, I'll pray for you. Yeah, baby.
pour toi. I pray for you. Quand j'étais sur la chaire pendant que je priais, when I was a puppet, j'étais vu en train de pleurer. I saw you crying. Et un grand problème qui est arrivé. A great problem came to you. Un grand problème. Gros problème. Apporte-moi d'abord l'huile. Bring me oil. L'agneau. Donne-moi tes deux mains. Give me your two hands. Où est ton papier? Where is your document? C'est dans ton sac. Bam, tiens, il est prié. Attrape comme ça. Et digne de régner, l'agneau est souverain. J'allume, fire. Aucun problème ne t'arrivera. Jésus, je commande. Alléluia. Par le feu. Fire. Par le feu. Fire. Fire for fire. Fire. Je commande. Au nom de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Tu sais pourquoi il te demande de prendre tes papiers? Je vais prier pour toi. Alléluia. Je vois comme un problème va arriver. I see like a problem coming. Le père de l'enfant, il est où? The father of the child is where? Vous place. Parlez? Do you talk with him? We don't speak one another. Maintenant. How many times? 6 months et quelques. 6 months. Il n'a pas son nom sur l'enfant. Doesn't have his name over the child. On va prier pour elle. We pray for her. Avant la bouteille d'eau. Bring me a bottle of water. J'entends destruction. I hear destruction. C'est un mauvais esprit qui va rentrer en lui. An evil spirit will enter in him. Non, laisse fermer. Close it. Ferme les yeux. Close it. Évitez de parler mal. Stop talk. Quand tu t'élèves, ce qui sort de ta bouche, c'est pas bon. What come out of your mouth? Tu as compris? Hallelujah. Un enfant de Dieu, même quand tu es en colère, et les choses ne peuvent pas sortir. They are too, don't bring out. Tu as compris? Hallelujah. Parce que dans le monde de l'esprit, the realm of the spirit, le père de l'enfant, the father of the child, je vois comme ta photo. I see like your picture. Je vois ta photo, je vois comme des aiguilles à l'intérieur. I see like a needle inside. Allez donner un marabout. Give to a fetish priest. Pour te lier. Hold you. Parce qu'il va te détruire. You want to destroy you. Je vais pas trop rentrer dans les détails. I don't go to. Alleluia. I don't go to the details. Sage. But be wise. Il faut apaiser ton cœur. Cool down. Quel que soit ce qui s'est passé. No matter what happened. Tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Faut être sage. Ben, il va te détruire. You want to destroy you. Tu as compris ce que j'ai dit? Il a une colère contre toi. He il t'en veut. Faites beaucoup sage. Sinon tes documents vont se disperser. Alléluia. Tu as compris ce que j'ai dit? Éternel, tu es Dieu. Fire. Je commande et je refuse cela. Power. Fire. Je refuse cela. Lève-la. Bring her back. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Alléluia. Parce qu'on est en direct. Alléluia. Dieu est avec toi. God is with you. Il ne faut plus faire histoire. Alléluia. Il faut t'éloigner de lui. Tu as compris? Alléluia. Il faut plus faire histoire avec lui. Tu as compris? Alléluia. Sinon, je le vois détruit. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Accompli, sécurise, c'est fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel, tu es Dieu. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Je proclame ta couverture divine. Alléluia. My God. Cet esprit de Max. Au nom de Jésus. J'aime pas tes œuvres. I don't like your work. Esprit de Max. Esprit de Max. J'aime pas tes œuvres. I don't like your work. Démon guerrier. Au nom de Jésus. J'aime pas tes œuvres. Power. Power. Fire. Fire. Libère. Au nom puissant de Jésus. Vraiment. Dieu va faire. Alléluia. God will do it. Quand j'ai prié pour toi tout à l'heure. When I pray for you right now. J'ai vu un esprit qui t'a quitté. I saw an spirit left you. Tu vas témoigner. You will testify. Que l'Éternel. That the Lord. T'a guéri. Woo. Tu crois au miracle? Tu crois au miracle? Au nom de Jésus. Qui est Félicia? Alléluia. C'est qui? Ta nièce. Elle est où? Elle est en Belgique. Elle est en Belgique. Vous n'avez pas la même forme? Non, on a la même forme. Elle est forte que toi. Oui, il la voit à côté. L'œil du voyant. Oh, faut qu'on prie beaucoup. Alléluia. Tu as compris? Alléluia. Sinon tu apprends une mauvaise nouvelle. Elle en forme, c'est une belle fille. En forme même. Alléluia. Souvent elle teint ses cheveux roux. Oh. Parce que la voix marchait là. Elle teint ses cheveux roux, souvent elle coupe comme ça.
et puis éteint sa roue. C'est clair. Elle connaît des personnalités. Elle approche même souvent des hommes politiques. Politicien, il faut beaucoup prier pour elle. Pray for her, Lord. Tu comprends? Alléluia. Parce que dans le monde de l'esprit, the realm of the spirit, Matthieu, je la vois emprunté comme un avion. I see her like a taking a plane. Et c'est un homme influent qui va l'inviter. Alléluia. De son pays. From his country. Je suis en train de voir même le restaurant où ils vont manger. I see the restaurant where mais l'Éternel me montre le nom de la ville. Lord, je suis en train de la voir aller à Port-Gentil. Port-Gentil. Hein? Hein? Elle est où? Elle est de Port-Gentil. Elle est de Port-Gentil. Je la connais. Tu l'as déjà envoyé ici? Woo! L'œil du Car il est l'œil. Vieux et digne de régner. L'agneau. L'agneau, l'agneau. Nous élevons nos foies pour l'agneau. L'agneau. L'agneau, l'agneau est souverain. Félicia, voilà comment ça va se passer. C'est un homme influent. An influence man de son pays. From the country. Parce qu'elle aime faire souvent faire les conférences. Alléluia. Conférence. Vérité. Je la vois là. Assia. Parce qu'un prophète, c'est un voyant. Professeur. Tu vois pas, tu vois pas. Vérité. Quand tu vois clair. Clair. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Amen. L'homme va l'inviter, ils vont manger. Alléluia. Parce que l'homme a besoin de son étoile. Alléluia. Et c'est dans ça qu'il va l'envoûter. Alléluia. Et dans l'envoûtement qu'elle va tomber malade. Il y a quelqu'un qui est proche d'elle du nom de Ghislaine. Alléluia. Ghislaine, tu la connais? Professeur. C'est qui? C'est ta nièce aussi. Professeur. L'œil du voyant. Nous élevons, nos voix pour l'agneau. L'agneau, l'agneau est souverain. Lève les mains. Rebosque de bauti de raid. C'est Ghislaine qui va annoncer qu'elle ne va pas bien. Mais l'Éternel qui a ouvert ma bouche. Père, quand tu révèles, c'est pour ne pas que la chose arrive. De la même manière qu'elle a été un canal. Alléluia. Et tu as localisé sa jeune sœur. Maintenant je prie. Après, par le nom de Jésus. Ton mari là. Alléluia. Et toi et moi, Père. Amen. Amen. Il y a des choses, je dois te révéler. Et si pour faire, j'ai oublié de te dire. Mais si ça te fait mal, je dois te le dire. Alléluia. Sécurise sa vie. Au nom de Jésus. Avril. April. Avril. April. Avril. April. Avril. April. Tu dis à Félicia. C'est Félicia. Il ne faudrait pas qu'elle parte à Port-Gentil. Si tu veux encore de Port-Gentil. Ça sera en avril. To be in April. Quand même tu vas l'avoir au téléphone. Even you avant de te dire avril, c'est son mois d'anniversaire. Dis-lui de ne pas partir. Alléluia. Parce que c'est là qu'on va la tuer. Fire. Point de contact. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Sécurise. Au nom de Jésus. Accompli. Au nom de Jésus. Sécurise. Au nom de Jésus. Accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Fais attention. Amen. Tu as compris? Alléluia. Est-ce que le père des enfants, je le vois comme Boubou, hein, se prosterner. Au nom de Jésus. Il va te lier. Alléluia. Je le vois avec des djoulas. Ils sont en train de faire ce projet-là. Au nom de Jésus. Fais attention. Alléluia. Tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Je ne peux pas accepter ça. Can I accept it? Parce que ça fait 9 ans que tu pries avec moi. You pray with me. Seigneur, je refuse. Au nom de Jésus. Non, je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse. Au nom de Jésus. Regarde-moi ici. Look at me. On t'attend. They are waiting for you. Je ne connais pas ton programme. I don't know your program. Mais j'ai dit on t'attend. They are waiting for you. Bats-toi. Not you. Il faut te battre. Fight. Je ne connais pas ton programme. I don't know your program. Mais dans le monde de l'esprit, the realm of the spirit, je la vois, Mathieu. I see her. Mais c'est comme si like, je la vois en Afrique. I see her like en train de fêter Nouvel An. Celebrate New Year's. Nouvelle année. New Year. Je la vois là-bas. I see there. Je vois comme c'est ton programme. Like your program. Hein? C'est ton programme. It's your program. Tu veux fêter nouvelle année là-bas. New Year there. Et tu n'as pas consulté le prophète. Bien consulté le prophète. Capo.
Ma fille, toujours j'enseigne. Consultez-le. Consultez-le. Prophète. Consultez-le. Prophète. Quand tu vas partir, tu sais comment tu vas revenir. Alléluia. Dans chaise roulante. In a wheelchair. Tu as compris ce que j'ai dit? Dans chaise roulante. In wheelchair. Bats-toi. Fight. Fête cette année-là. Célébrer this year. Fête ça où tu es. Where you are. Faut pas faire ça en Afrique. Don't go back home. Oh, mais tu t'es déjà organisé. Tu t'es déjà organisé. Mets le micro, il faut qu'elle explique. Je vais dire quoi. Tu t'es déjà organisé. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi et quoi? Tu as pris ton billet. Tout. Et demain, ils vont dire, tu pries chez un voyant. Elle est proche, elle attrape même fil de caméra. Et papa n'a pas vu. Tu sais, ça va commencer sur quoi? Do you know how it will start? Ma fille, fais attention. You have to be careful. Il faut bénir Dieu. Bless the Lord. Ton billet là. Your plane ticket. Arrange-toi à modifier. Change it. Hallelujah. Ne pas que la fête te trouve là-bas. So that part will not return. Si ça te trouve là-bas. If it will be there. Tu sais, ça sera pas là sur quoi? Do you know it will be about what? Des affaires. Business. Je vois comme commerce. Like a, tu vas prendre un vêtement pour donner à quelqu'un. Ça a déjà commencé, ma propre soeur. Hallelujah. Hein? C'est la vérité. Hey. Faut vendre le ticket. Holy. El Capo. Si vous savez plein de tickets pour us, elle va vendre le ticket pour nous. Quelqu'un va te flécher. Somebody will throw arrow. C'est ce qu'elle veut là. Tu as pas pour donner à quelqu'un. Il faut faire beaucoup attention. You have to be careful. Acclamez le Seigneur. Amen. Viens, viens prier pour toi. Viens, viens prier pour toi. Viens, viens, viens prier pour toi. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu as montré, tu l'as montré par fidélité. Alléluia. Si tu as montré, tu l'as montré par fidélité. Si tu as révélé, tu l'as révélé par fidélité. Mais avant qu'il prie pour toi, pourquoi tu ne m'as pas dit? Why did you tell me? Hein? Alléluia. Tu as dit à la secrétaire que tu voulais me voir. Hein, tu voulais me dire ça. En Italie, j'ai dit à un moment, mais je devais passer la semaine. Alléluia. Pour me voir. Mais pourquoi ça? Mais toi et moi, on était là quand? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout? C'est quand tu as payé le billet? Hier. Yeah. Yeah. Mm. Alléluia. Je vais prier pour toi. Éternel, tu es Dieu. Lord, you are God. Je plonge ses pieds dans ton sang. I dip her leg in your blood. Je maudis. I curse. Mais le problème va se passer dans une association. C'est comme un don va faire. Like a gift you do. Dans une association. An association, an NGO. Association. A gift you. Mais faut pas la fête va te trouver là-bas. Alléluia. The New Year should not reach you there. Faut pas fête va te trouver là-bas. Alléluia. Si ça te trouve, c'est pas bon. Quand tu vas venir, ils vont te mettre en chaise roulante. Put in a et c'est une jeune dame. A young lady. Elle va mettre Kaolé si elle. Put, elle aime beaucoup danser. She like dance. Elle est petit de taille. Short. Elle est noire. Black. Elle n'a pas de dents devant. She had no teeth. Elle va te flécher. Bro, tu la vois à côté. Quand tu vas partir, quand go, tu vas organiser tout, si tu la vois, il faut l'éviter. Exos. 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 Le feu. 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 C'est neutralisé. Au nom de Jésus. Les coups à voter aujourd'hui. Au nom puissant. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous sommes dans le 10e mois. De la même façon, l'Éternel a amené les 10 plaies contre Pharaon. Il amène les 10 plaies contre tes ennemis. Amen. Pas dit amen. Woo! Il amène les 10 plaies contre tes ennemis. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Vous êtes tout beau ce matin. Nous allons partager un tout petit message. Nous allons parler de la vie de quelqu'un. Nous allons parler de quelqu'un qui est le 11e de sa famille. Nous allons parler de Joseph. Je ne vais pas vous apprendre l'histoire parce que vous êtes des chrétiens. Vous lisez votre Bible. Alléluia. Vous connaissez déjà l'histoire de Joseph. Mais je viens vous dire
qui est le Dieu de Joseph. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. 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 La liseuse. On va lire la Bible. Donc, on prend le livre de Genèse 37, à partir du verset 6, jusqu'à 20. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Mais voici, Israël lui dit, « Va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. » Et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Amen. Bien-aimés, la Bible nous parle de Joseph. Nous ne pouvons pas parler de Joseph sans parler de Jacob. Jacob qui est Israël. La Bible dit que Jacob fuyait son frère. Jacob fuyait la mort. Jacob fuyait les problèmes. Et Jacob est arrivé dans la maison de Laban. Là où il a rencontré Rachel. Alléluia. Amen. Amen. Rachel qui est la mère de Joseph. Nous savons tous que Rachel était la femme dont aimait Joseph. Alléluia. Amen. 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 Et pour cette femme-là, Joseph a accepté de travailler 14 années. Pour cette femme-là, Joseph a accepté les difficultés. Joseph a accepté la souffrance. Joseph a accepté une position de désespoir, une position de rabaissement. Alléluia. Parce qu'il aimait Rachel. Merci. Parce qu'il aimait Jacques, parce qu'il aimait, il aimait Rachel. Amen. Amen. Jacob, dans son amour pour Rachel, Dieu ne va pas visiter Rachel maintenant.
Parce que la Bible dit que Rachel était stérile. Pendant que sa rivale mettait au monde, mais elle, elle était stérile. Amen. Elle était en recherche d'un enfant. Amen. 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 Et voici, quelques années après, le Seigneur va visiter ses entrailles. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est souvenu d'elle. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'ils ont traité de stérile. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Qui est à la recherche d'un enfant. Alléluia. Que le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Le Seigneur s'est souvenu de Rachel. Alléluia. Rachel a enfanté. Mais elle n'a pas mis au monde n'importe qui. Elle a mis au monde un futur gouverneur. Alléluia. Si ton enfantement tarde dans tes entrailles, il y a un ministre. Alléluia. Si ton enfantement tarde dans tes entrailles, il y a un président. Amen. Il y a quelqu'un de grand qui est dans tes entrailles. Amen. 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 La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu de Rachel. Et Joseph est né. Joseph, qui est né de la femme, donc aimait Jacob. Alléluia. La Bible dit qu'Israël aimait Joseph. Mais il avait d'autres enfants. Pourquoi la Bible mentionne qu'il aimait Joseph? Alléluia. Nous pouvons comprendre que Joseph était l'enfant souhaité de Jacob. Alléluia. Joseph était l'enfant dont Jacob désirait. Parce que cet enfant sortait de la femme que son cœur a choisie. Cet enfant est sorti de la femme pour qui il a travaillé 14 années. Alléluia. Donc il y a une raison de porter un amour profond à cet enfant. Amen. 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 Nous pouvons comprendre que toute personne sur cette terre, même dans cette salle, est différente. Dans nos familles, nous n'avons pas la même affection que nos parents nous portent. Parce que cela dépend de ton histoire. Cela dépend de comment tu es venu au monde. Alléluia. Cela dépend de ce qui est rattaché à ta naissance. Amen. La Bible dit, Rachel était stérile. Pendant combien d'années sa rivale enfantait? Pendant combien d'années elle mettait au monde? Mais un seul jour, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. La Bible dit, Joseph va faire un rêve. Joseph va rêver. Joseph va faire un songe où il va voir lui sa gerbe au-dessus des autres gerbes. Alléluia. Dieu a parlé à Joseph dans son sommeil. Dieu a parlé à Joseph quand il était isolé. Dieu a parlé à Joseph quand il était seul. Mais Joseph va se lever pour venir devant ses frères pour parler, pour dire ce que Dieu lui avait montré. Alléluia. Quand Dieu t'a parlé, est-ce qu'il t'a dit de venir dire à tes frères? Tu ne m'as pas compris. Quand Dieu t'a parlé, est-ce qu'il t'a dit de venir dire quelque part ce qu'il t'a dit? Question. Est-ce qu'il te l'a dit? La Bible dit qu'il a rêvé. Alléluia. Mais lui, il a décidé de venir exposer son rêve. Il a décidé de venir parler de son rêve. Il a décidé de venir dire le secret que l'Éternel lui avait révélé par rapport à sa destinée. Alléluia. On ne t'a pas demandé de parler, tu es venu parler. On ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as vu quand tu dormais, mais tu es venu parler. Alléluia. Le Seigneur t'a dit que tu allais te marier. Tu as eu dans ton rêve une promotion. Tu t'es levé et tu es venu parler. Alléluia. Amen. 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 Joseph va expliquer ces choses-là. Le fait qu'il a parlé va amener de la rancune dans le cœur de ses frères. Et ce n'est pas parce que nous venons du même père ou de la même mère que nous avons le même cœur. Fais attention, frère. Alléluia. Holy. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu expliques tes choses. À qui tu expliques tes projets. Vérité. Joseph a parlé
de la révélation qui était attachée à sa vie. Il a eu des ennemis pour frère. La Bible n'a pas dit ses amis. La Bible n'a pas dit son meilleur ami. La Bible dit ses frères. C'est fort. Ses frères seront énervés contre lui. Donc toi, tu es né après nous. Après combien d'années, c'est toi qui vas venir nous diriger. Alléluia. La Bible dit qu'ils vont commencer à comploter. Qu'ils vont commencer à avoir des idées nocturnes. Ils vont chercher à tuer Joseph. Ils vont chercher à vouloir éteindre Joseph. La Bible dit, quand Joseph a dit, ma chair était au-dessus, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de ses frères. Alléluia. Qui va accepter que tu vas me diriger? Qui va accepter ça? On vient de la même famille. Et toi, tu es le dernier. C'est toi qui vas être le leader de la famille. Alléluia. Ils vont décider de faire du mal à Joseph. La Bible dit, Israël a donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Alléluia. Cela, je dis à quelqu'un, c'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. C'est clair. C'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. Amen. C'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. Prêche. Pour cette tunique-là, pour le cadeau que son père lui a donné. Nous avons dans des familles où nous recevons quelque chose. Pour cette chose-là, les gens se lèvent contre nous. Pour un héritage, il y a un problème. Pour quelque chose, il y a un problème. Parce que tu es en train de monter, tes frères se lèvent contre toi. Alléluia. Joseph a reçu une tunique de son père. Une tunique de la part de son père. Cette tunique était remplie, on dit, plusieurs couleurs. Alléluia. Pourquoi cette tunique avait plusieurs couleurs? Question. Cette tunique était attachée à l'histoire de Jacob. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Amen. Si cette tunique était écrite, j'ai travaillé 14 années pour ta mère. J'ai travaillé 14 années pour ta mère. Amen. Ta mère était stérile. Après combien d'années, woo! Tu es venu au monde? J'ai vu mon frère. J'ai vu la mort. Woo! J'étais dans la misère. Woo! Et je t'ai eu. Woo! À ma vieillesse. Amen. Pour cette tunique-là, amen. Il y a mon histoire. Amen. C'est fort. Allons. Brèche. Cette tunique, plusieurs couleurs. L'histoire de Jacob. Alléluia. Plusieurs couleurs. La souffrance de Jacob. Alléluia. Plusieurs couleurs. La stérilité de Rachel. Alléluia. Woo! Woo! Holy! Prêche! Si Joseph était écrit l'histoire de son père, alléluia. C'est l'histoire de son père qu'il portait. Mais ce n'était pas lui-même sa destinée. C'est clair. Ses frères ont comploté. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Ils ont pris la tunique pour ramener à son père. Ils ont menti qu'un animal l'a dévoré. Alléluia. Mais quand le père, la Bible dit, quand il a vu la tunique. Alléluia. La tunique. Quand il a vu la tunique, il s'est souvenu que toute son histoire est revenue à lui. Alléluia. Toute son Woo! Histoire est revenue à lui. Yes. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. Ils ont pris la tunique. Ils ont enlevé la tunique. Jacob a commencé à revivre ces histoires-là. Il a commencé à voir dans sa tête la souffrance, la stérilité, la mort, la misère. Est revenu à moi. Et mon espoir, tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ta famille. Il a mis sa tunique sur son espoir pour cacher sa souffrance. Parce qu'il savait que cet enfant-là allait être au-dessus des autres. C'est celui qu'il aimait qu'ils ont décidé de tuer. Tu es l'espoir de ta famille. Ta famille compte sur toi. Alléluia. Ta famille compte sur toi. Alléluia. La Bible dit, ils ont jeté Joseph.
dans le puits. Ils ont pris sa tunique, mais ils n'ont pas pris sa destinée. Alléluia. Ils ont pris sa tunique, mais ils n'ont pas pris sa destinée. C'est fort. Il a continué avec sa destinée. La Bible dit qu'il est arrivé. Il y avait une troupe de personnes qui passaient. Ils l'ont vendu. Alléluia. Qui a vendu ta destinée? Qui veut te vendre? Pourquoi? À cause de quoi? Si j'émerge, si je suis au-dessus, c'est pour ma famille. Alléluia. Pourquoi vous m'en voulez? Alléluia. Si je prospère, c'est pour mon frère. Pourquoi tu m'en veux? Alléluia. Ouh! Allons. Si je prospère, c'est pour ma maison. Amen. Mais ils n'ont pas eu la révélation. Ils n'ont pas pensé à ça. Mais ils ont préféré maltraiter l'étoile. Ils ont préféré détruire l'étoile. Alléluia. Attention à qui tu parles. Alléluia. Joseph a été vendu. Joseph va arriver en Égypte. La Bible dit qu'il y a un officier appelé Potiphar qui va prendre Joseph. Alléluia. Peut-être que Joseph est arrivé en Égypte, il n'avait pas de caleçon, il n'avait pas de chaussures. Mais ce que je sais, il est arrivé en Égypte. Alléluia. Joseph, il est arrivé en Égypte. Potiphar va prendre Joseph. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, Joseph va prospérer. Quelqu'un qui est esclave va prospérer. Alléluia. Potiphar va laisser le contrôle de sa maison. Alléluia. Regarde ta vie. Alléluia. Tu n'as pas voiture, c'était parce que tu as voiture. Alléluia. Tu n'as pas papier, on se demande même que tu as papier. Alléluia. Tu n'as pas de logement. Les gens pensent que tu as un logement. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne. Amen. Il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne. Amen. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Personne ne peut contre toi. Personne. Il dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Question. Dans la maison de Potiphar, Joseph a commencé à prospérer. Alléluia. Quelqu'un qui était esclave commence à prospérer. Alléluia. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alléluia. Quelle que soit ta situation, toi tu sais au fond de toi, et que pour toi là, cette place là tu ne mérites pas. Mais ton patron dit, c'est toi qui veux là, parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Wouh! Wouh! C'est chaud. Tu te mets dans la tête que ce poste ne m'appartient pas. Tu te mets dans la tête que ce n'est pas possible que je monte dans cette voiture. Mais la grâce de Dieu dit, c'est à toi le poste. Amen. Wouh! Prêt. C'est à toi le poste. Après combien de temps? Alléluia. La femme de Potiphar. C'est là que je dis à quelqu'un. Quand Joseph rentrait dans la maison de Potiphar, cette femme-là n'a pas porté ses yeux sur lui. Pourquoi? C'est où il est établi? Alléluia. Il y a des gens qui ne t'ont pas accompagné dans ton désert. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas été là quand tu traversais les moments difficiles. Alléluia. Mais arrivé un moment où la gloire de Dieu arrive, ces personnes-là viennent dire qu'ils sont avec toi. Holy. Fais attention. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Comme j'ai les rênes de la maison. Alléluia. C'est moi que tu veux. Je suis rentré devant toi en tant qu'un esclave. Tu ne me voulais pas. Fais attention, bien-aimé. Alléluia. Fais attention. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vers toi qui veulent préserver ta destinée. Vérité. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vers toi qui veulent garder ton étoile. Vérité. Wouh! Allons. C'est fort. La Bible dit que cette femme-là va vouloir aller vers Joseph. Alléluia. Cette femme-là va vouloir prendre quelque chose dans Joseph. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée pour une somme dérisoire. Vérité. Parce que quelque part, tu as eu faim. Tu allais te donner à quelqu'un qui a pris ta sémence. Alléluia. Quelque part, il y avait des difficultés. Tu allais te donner à quelqu'un qui a pris ton étoile. Alléluia. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à avancer. Mais Joseph a dit,
que j'ai l'opportunité d'aller avec toi, mais je refuse parce que je m'en vais avec ma destinée. Amen. Woo! Sacré bullshit, de Barbara. Woo! Woo! Le feu! C'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. Alléluia! C'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. Alléluia! Woo! Plaît-il. Dans la maison de Potiphar, une tunique va encore rester. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Dans la maison de Potiphar, une tunique va encore rester. Woo! Dans sa famille, une tunique est restée. Dans la maison de Potiphar, une tunique va rester. Woo! C'est ta tunique, ce n'est pas ta destinée. Alléluia. Joseph va fuir. La Bible dit de fuir le péché. C'est dans tous les sens. La Bible dit de fuir. Le péché n'a pas de pied. Mais si tu sais que tu ne peux pas résister, quitte-la. Amen. Joseph va fuir. Joseph a accepté que cette femme-là mente sur lui. Alléluia. Regarde, tu es arrivé quelque part où tu as commencé à prospérer. Les gens t'ont maltraité, les gens t'ont méprisé. Tu es arrivé à un endroit où tu dis, là ça suffit, l'Éternel est avec moi. Mais ces mêmes personnes encore se lèvent contre toi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Amen. Ce n'est pas là ta place. Dieu ne te veut pas là. Dieu ne te veut pas là. Vérité. Tu t'attends à ta petite fortune que tu as. Il dit, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Woo! Tu es limité à ton petit boulot, mais l'Éternel a quelque chose de grand pour toi. Amen. Joseph va fuir la femme de Potiphar. Elle va raconter des mensonges sur la vie de Joseph. Ils vont prendre Joseph. Alléluia. C'est là où j'ai dit l'Éternel est mon Dieu. Amen. 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 La Bible dit qu'ils vont mettre Joseph en prison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ils vont mettre Joseph en prison. Alléluia. Joseph jeté dans un puits. Joseph vendu en tant qu'un esclave. Joseph repositionné juste un peu. Mais ils vont reprendre Joseph pour le ramener en prison. Alléluia. Ils vont mettre Joseph en prison. Mais la Bible dit, dans cette prison-là, Joseph était établi sur les autres prisonniers. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Quels que soient les problèmes, la grâce de Dieu l'accompagne. Quelles que soient les difficultés, la grâce de Dieu était avec lui. Amen. Dans cette prison, Joseph a eu les rênes encore de cette prison. Alléluia. Joseph gérait cette prison. Tu es peut-être dans un même quartier que quelqu'un, mais vous n'avez pas la même grâce. Alléluia. Tu as peut-être le même salaire que quelqu'un, mais vous n'avez pas la même grâce. Alléluia. Ils ont l'impression que toi, tu as plus que lui, mais pourtant vous êtes même chose. Mais la seule différence, c'est la grâce de Dieu. Amen. Woo! Joseph avait la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit un seul jour. Il dit tous les jours de ma vie. Woo! Grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Joseph est arrivé dans la prison. Nous savons tous que quand tu es emprisonné, tu ne peux rien faire. Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Dans la prison, Joseph ne craignait rien. Dans la prison, Joseph ne craignait rien parce qu'il savait que l'Éternel avait sa main sur lui. La Bible dit, il y aura deux personnes qui vont arriver dans cette prison-là. Deux personnes qui sont au palais, qui sont dans le royaume, qui mangent à la table du roi, vont arriver dans cette prison. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, connaître-moi quelqu'un de bien. Quelqu'un dit, Seigneur, connaître-moi quelqu'un de bien.
Seigneur dit, quelqu'un dit, Seigneur, connaître-moi quelqu'un de bien. Seigneur, connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Dans la prison. Quand on dit une prison, c'est les voleurs qui arrivent. C'est les braqueurs, c'est les tueurs. Mais ceux qui sont arrivés, c'est les gens qui mangeaient à la table du roi. Ils n'avaient pas volé, mais par la colère du roi, ils sont arrivés dans cette prison. C'est là où je dis, Seigneur, connaître-moi quelqu'un de bien. Alléluia. La Bible dit que personne n'a fait un rêve. Et Joseph va interpréter le rêve de chacun. Et cela va arriver. Alléluia. Mais quelques années après, deux années après, quand Joseph interprète le rêve de ces personnes, il va dire à un, si tu t'en vas dans la maison du roi, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Mais il n'a pas dit c'est un voleur. C'était une bonne connexion. Amen. Connaître-moi quelqu'un de bien, Seigneur. Amen. Connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Connaître-moi quelqu'un de bien. Deux années après. Alléluia. Le pharaon va faire un rêve qui dépasse son entendement. Alléluia. Le pharaon va faire un rêve qui dépasse le royaume. Alléluia. C'est là où j'ai dit, j'ai un prophète des nations. Amen. J'ai un prophète des nations. J'ai un prophète des nations. Amen. Un rêve d'une république. Alléluia. C'est pas n'importe qui interprète ça. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui interprète ça. Alléluia. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas voir ce mystère-là. Alléluia. Si tu n'es pas de Dieu, Alléluia, tu ne peux pas percer ce mystère. Prêche. Woo! Il a dit. Alléluia. Pour Moïse, il a fendu la mer. Pour Josué, il a brisé les murs. Amen. Pour Joseph, woo! Il a brisé les murs de la prison. Amen. L'Éternel brise les murs de la prison dans ta vie. Amen. L'Éternel brise les murs de la prison dans ta vie. Amen. L'Éternel brise les murs de la prison dans ta vie. Amen. Il brise. Woo! Il brise. Il brise. Il a brisé les murs de la prison. Alléluia. Deux années après, Joseph, qui était prisonnier, une autre tunique va rester dans la prison. Alléluia. Yes. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. Claire. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. C'est clair. Woo! Une tunique va rester dans la prison. Alléluia. De la prison, Joseph est devant le roi. Quel est ce prisonnier qui sort directement et qui va dans le palais? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Quel est ce prisonnier qui sort de la prison et qui va directement dans le palais? Il n'est pas allé à gauche. Il n'est pas allé à droite. On dit le président a besoin de toi. Alléluia. Prisonnier. Amen. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Quelques années après, woo! Deux années, les gens vont se souvenir. Si quelqu'un t'avait oublié quelque part, Alléluia. L'Éternel ramène le souvenir maintenant. C'est clair. Il ramène le souvenir de ces choses. Il ramène le souvenir de ces choses. Holy. L'Éternel s'est souvenu de Rachel. Il se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Joseph. Il se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Joseph. Deux années après, il est arrivé devant le roi. Alléluia. Oui, roi. Quel est le rêve qui te fatigue? Alléluia. Ça, c'est quand l'Éternel parle. Quand Dieu parle, il dit, t'es prêté oreille. Quand Dieu parle, il dit, quel est le rêve qui te fatigue? Quand tu as la grâce de Dieu, tu as l'assurance. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, tu as l'assurance. Amen. Joseph est arrivé. Alléluia. Il a interprété le songe de Pharaon. Alléluia. Sa position a changé. Alléluia. La Bible dit, quand il a fini d'interpréter, ils ont mis Joseph comme le premier ministre d'Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où les gens t'ont méprisé, tu seras grand, tu Amen. Seras élevé. Tu seras élevé. Woo! Tu seras élevé. Woo! La grâce de l'Éternel t'accompagne. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Après avoir interprété le rêve, Joseph est parti quand il était tout petit. Ils l'ont vendu. La Bible dit, ces mêmes personnes qui l'ont vendu vont arriver en Égypte. Hey. Alléluia. Tu as voulu jeter l'étoile. Alléluia. Mais tu viendras te prosterner devant l'étoile. Amen. Woo! C'est fort. Tu as méprisé l'étoile. Alléluia. Mais tu viendras te prosterner devant l'étoile. Woo! En Égypte, ils sont arrivés parce qu'ils avaient faim. Ceux qui avaient à manger hier, qui se moquaient de toi, viendront manger dans ta main demain. Amen. Tu n'as pas dit amen. Woo! Ceux qui t'ont méprisé, venons demander dans ta main demain. Amen. La Bible dit que ses frères sont arrivés, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Joseph? Alléluia. Peut-être que tu me diras, c'est à cause de son visage. Peut-être que tu me diras que Joseph a grandi. Alléluia. Qu'il a été chicoté. Il avait des cicatrices. Mais je suis en train de te dire, c'est à cause de la position de Joseph. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Amen. À cause de ta position. Amen. Les gens ne pourront pas te reconnaître. Amen. Ils ne vont pas te reconnaître. Amen. Parce qu'ils seront étonnés. Amen. De te trouver dans une position d'élévation. Hey. Ils seront étonnés, hey, de te trouver, hey, dans une position, hey, de grandeur. Hey. Ils seront étonnés, hey, de te trouver, hey, dans une position, hey, de mariage. Hey. Ils seront étonnés, hey, de te trouver, hey, dans une position, hey, d'enfantement. Hey. Ils seront étonnés, hey, ils seront étonnés, hey, ils seront étonnés, hey, ils seront étonnés. Hey. Woo! 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 C'est ta tunique. Alléluia. Ce n'est pas ta destinée. Amen. Ils ont pris la tunique de Joseph. Alléluia. Mais ils ont retrouvé sa destinée en Égypte. Amen. Ils ont pris sa tunique. Alléluia. Ils ont retrouvé son étoile en Égypte. Amen. Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar, alléluia, devient le patron de Potiphar. Amen. Qui t'a méprisé dans ton travail, alléluia, tu deviendras son patron. Woo! Qui t'a rabaissé, hein, tu deviendras plus grand que lui. Woo! La Bible dit, alléluia, il y arrivera un moment, woo, où la montagne, ha, de la maison de l'Éternel, woo, sera au sommet de toutes les montagnes. Alléluia. Tu es la montagne de l'Éternel. Woo! Tu es la montagne de l'Éternel. Woo! Tu seras au sommet. Ha. 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 Dis-moi un amen. Amen. Woo! Holy. Prêche. 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 Tu es le Joseph de ta famille. Woo! Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Quelqu'un se lève avec moi et dit, je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Le Joseph de ma famille. Je suis le sommet de la maison de l'Éternel. Le sommet. C'est ta tunique. Alléluia. Ce n'est pas ta destinée. Alléluia. C'est ta tunique. Alléluia. Ce n'est pas ta destinée. Amen. Ce qu'ils t'ont pris ne t'appartient pas. Ouh. Mais il y a pour toi en toi. Alléluia. Il y a ta destinée, hey, en toi. Hey, 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 hey. Feu. Alors. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. Ouh. Il a dit quoi? Quand je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Alléluia. Même les fleuves ne me submergeront pas. Quand je marcherai dans la braise, elle ne me brûlera pas. Woo! L'Éternel est pour moi. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. Woo! Holy. Acclame le Seigneur. Woo! 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 Acclame le Seigneur. Woo! Amen. Acclame le Seigneur. Woo! Acclame le Seigneur. Holy. Acclame le Seigneur. Holy. C'est ta tunique. Woo! Ce n'est pas ta destinée. Woo! Hey! Hey!
Hey! L'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. 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 L'Éternel se souviendra de toi. Amen. Tu changeras de position. Amen. Ils ne vont pas te reconnaître. Woo! Tu changeras de position. Woo! Tu changeras de position. Woo! C'est ta tunique. Hey! Ce n'est pas ta destinée. Hey! 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 Woo! L'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Laisse les gens qui t'ont mis dehors. Wow. C'est leur maison. Alléluia. Mais il y a une villa en toi. Wow. Wow, 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 il y a wow, une wow, voiture en toi. Wow, 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 wow. Il y a un enfant en toi. Hey. C'est ta destinée. Hey. Ce n'est pas ta tunique. Alléluia. C'est ta destinée. Alléluia. Qu'ils prennent la tunique. Wow. Comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Dis avec moi, c'est ma tunique. Ce n'est pas ma destinée. Alléluia. Dis, c'est ma tunique. Ce n'est pas ma destinée. Alléluia. C'est ma tunique. Ce n'est pas ma destinée. Alléluia. Tu sais pourquoi c'est ta tunique? Est-ce que tu sais pourquoi c'est ta tunique? Alléluia. Tu sais pourquoi? Alléluia. Tu sais pourquoi? Alléluia. Tu sais pourquoi c'est ta tunique? Alléluia. Et que ce n'est pas ta destinée. Hey! Tu reviens du pays, non? Alléluia. Tu reviens du pays. Alléluia. Tu reviens du pays. Alléluia. Réponds-moi, tu reviens du pays. Okay. Tu sais, quand j'étais là tout de suite, où? Le Seigneur m'a montré quelque chose. Il y a un serpent qui te poursuit dans ton rêve. Alléluia. Tu sens la présence dans ta chambre. Hey. Le serpent te poursuit. Vérité. Tu es allé au pays. Alléluia. Tu es revenu. C'est pour la bonne cause. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es revenu? Alléluia. Tu sais pourquoi? Alléluia. Parce que tu as eu la victoire sur le serpent. Amen. Parce que tu as eu la victoire sur le serpent. Amen. C'est ça ou pas? Tu as eu la victoire sur le serpent. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. La main. Le serpent qu'ils avaient mis derrière toi. Alléluia. Qui t'a attaqué. Alléluia. Qui a même attaqué ton fils. Au nom de qui Jésus. A jeté un esprit sur sa tête. Au nom maintenant, de tu as la victoire sur ce serpent. Au nom puissant de tu as la victoire sur ce serpent. Au nom de Jésus. Tu écraseras la postérité. Oh, du serpent. Tu écraseras sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel te donne la victoire. Alléluia. Tu es victorieuse. Oh. Acclame le Seigneur. Oh. Oh. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est ta tunique. Alléluia. Ce n'est pas ta destinée. Hey. Papa, tu vas bien? Ouh. Ça va. Alléluia. Ça alléluia. Va. Ta femme va bien? Alléluia. Elle est malade. Elle est malade. Elle est où? Alléluia. Elle n'a pas pu venir. Alléluia. Elle est malade. Vous êtes beaucoup attaqué. Alléluia. Vous êtes beaucoup attaqué. Alléluia. Vous êtes beaucoup attaqué. Alléluia. Elle est malade. Les gens vous en veulent. Les gens veulent vous détruire. La maladie qu'elle a, ce n'est pas une maladie saine. Alléluia. Tu as compris. Ce n'est pas une maladie saine. Alléluia. Tu avais une société dans le temps. Tu avais une société. Alléluia. Et aujourd'hui, tout est tombé. Alléluia. Tout est en faillite. Et ça ne va plus. Et depuis là, c'est le problème. C'est ça. Mais c'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. C'est ta tunique. Ce n'est pas ta destinée. Ta femme va t'expliquer un rêve. Alléluia. Où les gens vont la poursuivre. Vont essayer de l'attraper. Mais elle va échapper. Elle va échapper aux mains de ces personnes-là. C'est la victoire. C'est la victoire. Elle va se relever. Tu m'as compris? Elle va se relever. Écoute, papa. Pour la société, pour tes affaires qui sont tombées, l'Éternel va te rétablir. L'Éternel va te relever. L'Éternel a visité Sarah dans sa vieillesse. Ce n'est pas dans ta vieillesse qu'il ne va pas te visiter. L'Éternel va te visiter. Alléluia. Ta femme sera rétablie au nom de Jésus. Alléluia. Donne ta main. Donne ta main. Que l'Éternel te restaure. Qui te